In the 21st century, nations have collapsed. From the ruins of war arise a society fueled by greed. Profiteering mega corporations provide protection and jobs to anyone who abides by their policies. The alternative, a criminal path. Street gangs engage in a constant power struggle against rival gangs and authorities. But there are some that have no interest in gang affiliations nor company citizenship. They only pledge allegiance to the highest bidder. Their title, Bounty Hunter. Their only objective, hunt down. Yo tout le monde, c'est Kyrios. Alors comme on a pu voir avec cette superbe cinématique d'entrée, nous sommes partis sur un nouveau petit jeu que j'ai trouvé sur l'Epic Game qui vient de sortir. C'est le jeu, c'est Hunt Down. Alors comme la petite cinématique d'entrée nous l'a dit, nous voilà plongés dans une cité style cyberpunk. Un peu aussi à la Mad Max, vu qu'on voit des gangs, on regarde un peu, ils ont à peu près typé Mad Max et tout ça, il y a des gangs qui sont comme ça. C'est quoi aussi le truc que j'ai cherché, le policier, la loi, c'est moi, le juge, là, comment il s'appelle. C'est à peu près le même style, donc on se retrouve vraiment dans une ambiance cyberpunk. C'est un petit jeu en fait qui me fait penser à un autre jeu qui est sorti dans les années 90 là, un truc avec les soldats là, sur les arcades là, Metal Slug, voilà, c'est ça. Quand on regarde la bande annonce du jeu, en fait ça me fait penser directement à Metal Slug et à tous les jeux qui ont copié, on va dire, Metal Slug. Parce que tous ceux qui connaissent Metal Slug, ça c'est un vrai jeu. C'est la référence des jeux d'arcade, hein, Metal Slug. Donc du coup, on se retrouve sur Hunt Down, dans la cité où le crime, la pègre et tout ce qui va avec règne d'une main de fer dans cette cité. Du coup, nous avons le choix entre trois personnages, d'après si j'ai bien compris, trois chasseurs de primes, alors je sais pas du tout c'est laquelle. Je vais découvrir de toute façon en même temps que vous, parce que j'ai pas fait de test encore, j'ai pas testé, donc on va découvrir. Du coup, on est parti sur une ambiance vraiment rétro, cyberpunk, tout ce que vous voulez, hein. Enfin, rien que la musique qu'on entend. Alors, moi j'ai la musique forte, donc du coup, je sais pas du tout comment ça va être le son, mais je pense que je vais choisir à modifier le son de tout à l'heure dans les paramétrages, mais rien que la musique, ça fait vraiment la musique de rétro, cyberpunk et tout ça, donc l'ambiance, moi j'adore, je kiffe. Donc on va, hop, on est parti. Option. Audio. Son. On va baisser un peu le son. Je pense que je vais mettre la musique. Musique, le son, on va laisser peut-être à 80, musique 70. Retour. Commande. Parce que j'aime bien savoir. Langue, bon, c'est en français. Comment jouer. Donc ça, soit ça se joue apparemment au clavier et à la manette. Mais bon, moi je suis clavier. Donc hop. D'accord. Donc on a le pad là, des trois flèches là. C'est ça. C pour tirer, Z lâcher, X interagir, V sauter, B charge. Waouh, va falloir que je me souvienne moi. Donc c'est C de se tirer, Z lâcher, peut-être une grenade, X interagir, donc je pense que sûrement pour ouvrir un truc, et C sauter.
tu vois, moi je préfère mieux mettre la barre d'espace. Voilà. Bon, le pad là, les quatre flèches haut, droite, gauche, bas et tout ça, là, ça me dérange pas pour aller à gauche, à droite, en haut c'est pour se couvrir, et la flèche bas c'est s'accouplir. D'accord, bon bah ça on verra ça. C, tirer. Z, lâcher. Je pense peut-être une arme, pas une arme, une grenade, un truc comme ça. X, interagir. CT, la barre d'espace. Et B, c'est charge. Ok. La barre retour. J'ai peut-être le son encore, peut-être. Voilà. Ok. Langue, on va laisser enfoncer. Ok, retour. Donc on peut jouer à un ou à deux joueurs. Ouais, bah c'est comme dans les jeux d'arcade. Hein. On avait dit c'est tiré. Z, lâcher. X, interagir. Barre d'espace pour sauter. Et il y avait un troisième truc, je sais plus. C'était quoi? Ah, B, la charge. Ok. Bah, un joueur, allez hop, c'est parti. Oula. Oh merde, dur à cuire. Ok, non, on va aller partir en normal. Hein. Choose Bounty Hunter. Ok, donc on a Anaconda. John Sawyer et Mowman. Apparemment, il y en a un des deux, c'est un cyborg. D'après la description, alors je sais plus c'est lequel. Franchement, lui. Ah, John Sawyer, c'est John Rambo en fait. Allez, on va prendre lui. Cyborg. Ah oui. Humain, 32 ans. D'accord, Cyborg 148 ans, mine d'iridium et Mowman. Ah, c'est droïde de reconnaissance étant base lunaire. Ah, d'accord, donc là on voit les différentes armes. Lui il a un pistolet et une machette, un tomahawk, un pistolet et un espèce de frisbee, on va dire. Là. Et lui. Il a le pistolet et on dirait que c'est des couteaux là ou des shurikens là, des, comme un style comme ça. Mais lui, bon, il y a le cyborg, mais il a le pistolet, mais en plus il a visée laser. Pas visée laser, qu'est-ce que je raconte moi. Il a le. Ce qui en plus le mince. Le... Ah, j'en perds mes mots. Mais bon, vous avez compris. Allez, je vais prendre le cyborg, ouais. Je vais prendre John Rambo. Ah non, c'est John Sawyer. On va se faire. Hop, on lui. Here to collect. Ah ouais, laisse tomber, c'est vraiment l'ambiance cyberpunk et tout ça. Judge Dredd, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Welcome to Shimamoto Corporation. The Hodium Docks, la banlieue. Ah d'accord, on va... C'est parti. John Sawyer. Wolf Mother. Welcome back. It has been a long time since the company acquired your services. So, once again, you were personally selected for the job. Donc l'autre est en train de passer un contrat en faisant de la broderie, quoi. Yes, avec deux mecs armés derrière. Plus un aquarium, normal. Et Shimamoto, on est parti chez les Yakuza, là. Our first matter is an urgent one. During the latest riot, a gang known as the Hoodlum Dolls somehow outwitted law enforcement and managed to seize control of a mechanized riot suit. Looks like an inside job to me. Apparently, he goes by the name of Troy Lawman. Additionally, the area you'll be headed to has a few minor bounties that are open to your discretion. I'll transfer you those that are in your direct vicinity.
Downloading coordinates. D'accord. Donc tout ça, c'est les mecs que je dois tuer en plus. The hoodlum dolls are unpredictable and strong in numbers. Get down there. Restore order. Hunt down this Troy La loi, c'est moi. And make mother proud. Consider it done, Miss Rose. This piggy is going wee 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 all the way home. Sweet Angel. C'est parti, attends, Z, c'est info. Qu'est-ce qu'on a? Sweet Angel, lieu émeute, crime, agression, vandalisme, trafic de drogue. Gueule d'ange connaît la douleur parce qu'il est l'inflige. Armé de chaînes et de couteaux, ce sournois criminel ne va pas propager l'amour. Approcher avec prudence, d'accord. Ah ouais, ça fait vraiment pas penser à Mad Max même, pour certains qu'on voit la dégaine qu'ils ont. Laisse tomber quoi. Allez hop, on va se farcir un peu de trucs. Objectif. Chasseur, trouver et éliminer 30 sbires. Collectionneur, récupérer toutes les mallettes de cam du gang. Et survivant, terminer le niveau sans mourir. D'accord, donc ça c'est les, ouais, des objectifs, ça va sûrement donner des trucs en plus. Bon bah c'est parti. Putain, la tête des gars quoi. C'est les Zondum Hoodlum Dolls. Ouais, vraiment, c'est punk, punk vraiment, un Mad Max hein, comme je disais. En plus avec cette ambiance rétro cyberpunk, j'adore. Allez, c'est parti. Et ouais, ça c'est moi. Donc, voilà, ça c'est ça. Ok. Là, ça coupe lire. On avait dit c'était ici, c'est tiré. Et là, ah, c'est mon boomerang. Ok. Et B, non, on a dit B, c'était chargé. D'accord. Ok. Wow. D'accord. Oh, je te l'ai défouraillé, ma parole. Police. Allô? On a appelé la police? Oh, merde. Je suis en train de tirer sur des... I'm saving up for a hovercraft. Ah, attends. On avait dit c'était X pour interagir. Rien, on va faire un petit truc, non? Ah mais là quand on regarde en plus, j'ai pas trop fait gaffe, mais la vue derrière là, le truc, c'est vraiment ambiance cyberpunk. En plus on a les gros droïdes là, c'est même plus des cyberpunk. Là on part sur du Metal Gear ou du mince qui s'appelle Ah zut, je cherche le nom là, le manga là, avec les robots là, du Gundam et tout ce que tu veux là, en fait ils nous ont fait un sacré mélange. Génial. Go. Ouais. Tatou. Ah X, ok. Tac tac. Oh, lui il s'est pris une rafale, ma parole. Loud and loud. Hop, ok. Adios. Leave me alone, buddy. Jump down. D'accord. Oh, la mitraillette. Oh oh. On a rien là pour aller nulle part. Oh, j'aime bien ça. Stash collected. Ouais. Yes, une de mallette. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une des objectifs avec les mallettes. Ah mais du coup, est-ce qu'il y en a? Je vais dire, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? On a dit Z. Checkpoint. Connie's Surgery and Repair Service standing by. Checkpoint. Ah.
Si jamais on meurt, on peut peut-être rester ici. C'est moi qui fais la loi. Faire un truc là. Non. Non. C'est là. Allez, monte ta face. Personne d'autre. Stash. Ah, deuxième manette. Checkpoint. Checkpoint encore. Now we're talking. This job is too easy. What is easy? C'est easy. J'ai ça moi. Qu'est-ce que tu fais? Pop goes the weasel. Ah, attends. Voilà, un autre truc. Ok. Another one for me. Voilà. Stash collected. C'est fait. Hop, hop. Yippee-ki-yay, mother... Yippee-ki-yay, motherfucker. Ça, c'est dans... c'est Bruce Willis, ça, dans... Piège de cristal, là. Die Hard, quand il fait yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay, pauvre con. Voilà. Ah, puis me trouver. It's a fish of a last. Pigs fly just fine. Oula. Wanna chase the dogs, huh?
have your missing link right here. Don't yank my chain. Oh la vache, il fait mal son couteau. Don't yank my chain. That's not gonna get it done. Nuh-uh. Nope. Sorry. Think again. Wanna chase the dogs, huh? Oh non! Comment on fout? Merde! Wanna chase the dolls, huh? I have your missing link right here! Bon! C'est le bâton. Aïe. Moi j'aurais bien aimé que c'est toi qui te prends. Don't yank my chain. Don't yank my chain. Putain de gueule, il reste plein de gens. You could have been a contender. Ouais, viens là. Ouais, je tire à côté, moi. Pour le chase the dogs, huh? Yes. I have your missing link right here. Aïe, aïe, il m'a fait mal. Là. Aïe, aïe, aïe. Il y a le pont. Don't yank my chain. Ouais, il reste plus grand chose au point de vie. Voilà. Bounty collected. Bah, je suis mort une fois, je suis dégoûté. Procéder, oui. Info, qu'est-ce qu'on a? Accident de scène, lieu ruelle, crime, assassinat, agression et voies de fait, refus d'enterrer. Ne vous laissez pas avoir par la belle gueule de Sid Bogos, ce féroce castagneur au point d'assis est toujours prêt à joliment mettre les branlés. D'accord. Donc on a un bodybuilder. Objectif, bon bah le chasseur, trouver, éliminer sans contenir. Trois machins, ok. Je vais aller pour celui-là. Engage. Ouais, j'ai une grenade. Voilà. C'est un arme ultime. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah, d'accord. Tac tac, tiens. Checkpoint. Oh, c'est un checkpoint.
Look out! Bounty hunters! Bounty hunters! They're here! They're getting away! Stop them, you morons! Non, attends, mais ça va. Ah non, on est dans le coin. C'est eux, je la casse. Hail to the king. Ah, où ça? Attends. Ouais, il est juste là. Mais j'en ai pas là, dans le coin là. Non, en fait, il est... j'en ai pas. Ah, si, j'en ai un, juste là. Voilà, on prend un peu des... Ouais. Hop, hop. Boîte de baseball, je sais pas si c'est vraiment efficace. You got a head for business. My business. Ah, je peux plus revenir là. Oh. Here, come out. Heads up. Hard gun. Damn, I'm good. Ah, bah là, l'autre. Tu veux que je fasse comment en fait? Je suis grand pour l'avoir, moi. Ah, moi je monte. Knock, knock. Ah, je peux l'avoir de là. Oh, are you gonna pay? Ah. Je sais pas trop ce qui s'est passé là, mais j'y ai pris cher. Attends, là. Ici. Howdy, they call me Sawjaw. Oh non! Hey, Lou, bon. I did my part. Now split! Je sais pas si. It's a dirty job, but someone's gotta do it. Finally, something real. Stash collected. Mine is bigger than yours. Sorry, Musty.
va tout, je te fracasse tout à la cam. Heads up! Hard guns! Here come out! Alors, viens. Bon, on va reprendre un peu. Bon, je pense à réussir à faire. Mais... Oh merde, oh, on est là, j'ai même pas dire. Et voilà. Stash collected. Du tout. Alors. Who's merde. Next? Voilà, je suis en train de prendre cher là. J'arrive à faire le con. Oh, je sens le boss. Ah, je sens le boss. Ah, voilà. Bounty found. Finally, son! My knuckles were starting to itch! attends, j'entends le machin. There is... wow. Me, ah oui, c'est vrai que lui, il est au corps à corps. I just need a hard wine in the fight! You are a knuckle sandwich? I got plenty! Yeah, what look at me, pal! I'll kill you! Mimic sunshine! Jaggy is coming for ya! Ah mais en fait il y a une sacrée allonge. Don't move. A muscle bitch. Pumping up some. Wow, le tir prend de... D'accord. Hoodlum dolls, top of the food chain. Ah puis balance, ça y est, les machins. Catch this! Like my moves! Here it comes! Too heavy for you! Huh? Hey, watch it! Un petit peu mort, toi. Quoi? Oh. Let's do it. Hey, watch it! There's no competition! Because nobody can be me! Yes! Bounty collected. Yeah. Ah, si tu es 50, je suis mort une fois. Je suis dégoûté. Bon, hop. Et Bad Boys Bob. Ok, bon, hop, X retour. Ouais. Retourne au menu principal, oui. Donc voilà, c'était la petite vidéo découverte de Hunt Down.
un petit jeu arcade, style arcade, bah, j'allais dire style arcade, non, c'est de l'arcade, comme dans les jeux des années 90, dans une ville plongée, un peu un style cyberpunk. J'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à la prochaine, et ciao ciao à tous.